Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir du côté du Burkina Faso avec Smarty. Il nous a envoyé un nouveau titre qui s'appelle Ne parle pas en feat avec Korka Dieng. Ça dit quoi en description? Emmanuel Seouté à la Réal, direction artistique dramatique compagnie, PC on the beat. Déjà aperçu plusieurs fois, donc il m'est pas inconnu. Eliezer Oubda, Ola Gboti, ok, Lucef Kiketa pour Marvin Prod. Let's go, c'est parti. Oula, ça part en piano carrément. Est-ce que ça va être mélancolique? Tu ne parles pas de tes projets. Garde-les dans le secret. Oh, easy, en silence, on se construit. À peine quelques secondes, il te met la direct. Rue, du bruit. Ne parle pas de tes projets. Avance dans le silence. Ne vois-tu pas tous les dangers? Tiens la langue loin de la confiance. Tu parles trop de tes envies. T'exposes tes ambitions. Le lionceau qui fait trop de bruit devient une proie pour le faux. Oh, elle le flow toujours. Voyages, mais en fait, il a un impact à chaque fois sur les. Lyricalement, ça ne blague pas chez Smarty. En silence se construit. Ta réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets. Et le visuel est incroyable. Hein. En fait, il y a un concept avec toutes les personnes qui sont là, avec la bouche, toi, les mouvements, etc. La gestuelle. Les personnes qui se projettent, les bâtons. Et ouais, et Korka aussi. Elle, ça donne vraiment. C'est clean, hein. Ça passe super bien. Les grands naissent, sois discret, tu te prouesses. Seul silence de la noblesse. Les grandes choses ne font pas de bruit. Les grands hommes sont muets. Ta vision sera accomplie. Si tu parles moins, je te promets. Ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. En silence, ils sont discrets. Ta réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets. Je savais qu'il était hyper pointu lyricalement déjà lui. Bah voilà, ça se confirme encore une fois avec ce titre. Un beau message quand même. Construis des projets, construis des projets. Sois toujours discret. Un jour ton étoile va briller. Oh, ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. Franchement, musicalement, c'est impeccable. C'est bon à écouter. Il y a un message qui est fait pour être écouté, entendu de par beaucoup. Et Korka Dieng, franchement, elle ramène cette touche, tu vois, qui complémente, on va dire, ce titre. Même le visuel, tu vois, même la tenue, c'est fou, joli, hein, franchement, impeccable, impeccable, et voilà, toujours impeccable, lyricalement, la musique était vraiment bonne à écouter, un beau message à prendre, tu vois, à prendre en compte pour toutes les personnes qui sont ambitieuses, qui ont envie de réussir, que ce soit dans quelque chose de petit ou grand ou gros ou ce que tu veux. Mais en tout cas, ça pourra servir tous les jours pour celles qui sont à la recherche souvent de conseils, de messages qui peuvent récupérer et imprégner dans le cerveau. Donc, encore un beau message de Smarty. Je sais qu'il était très pointu, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, lyricalement, et qui sait rapper, il sait chanter, enfin il sait chanter, en tout cas il sait bien faire passer les messages avec que ce soit comment il va prononcer les mots, les punchlines, la façon dont il va les tourner. En fait, il a ce truc là, c'est son art, tu vois, c'est son art, c'est vraiment ce qui fait sa force à Smarty, c'est vraiment ce truc là. Et impeccable, même le visuel, franchement c'était hyper bien trouvé. Franchement, les idées artistiques de ce clip et du son également sont vraiment bien recherchées. Et ouais, chapeau à toute l'équipe. Hein. Franchement, ils ont fait un beau travail. Et ça fait plaisir de le revoir. C'était quand son dernier titre? Ça fait un bail que j'ai pas fait un son de Smarty. Et lui, il a sorti son titre depuis quand? Il y avait un son il y a 7 mois. Je crois que je l'avais fait, ce son, en plus. Tant que je regarde.
Monsieur Smarty, c'était ça, j'avais fait le son avec Awadi Saltan en mars 2024. Ouais, donc c'était ouais, il y a quelques mois. Attends, attends, bah où je l'ai vu, c'est chelou ça. Je l'ai fait en mars 2024, mais il est sorti il y a 7 mois. Bon, chelou, j'ai dû le voir sur ailleurs. Après, voilà, il y avait un son, j'avais fait R.A.P., rien à prouver, mais il date un petit peu. Et impeccable, hein, franchement. Toujours. Toujours fidèle au poste, toujours là pour représenter sa culture et sa force et son talent. Donc chapeau, je pense que tout le monde va kiffer. Ça vient du Burkina Faso, il va donner la force à tous les Burkinabés en tout cas et à ceux qui vont comprendre ses paroles, ses messages, tous les messages qu'il a fait passer. Et c'est beau, hein, franchement, rien à dire, hein, c'est clean, c'est des bons sons à écouter, et ça peut que motiver toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et écouter cette musique. Ça dit quoi? Alors, déjà, trop émouvant ce morceau. Smarty, c'est l'ancêtre du rap africain. Que tous les grands hommes ou futurs grands hommes touchent à mon commentaire. C'est Smarty. Smarty, si ce clip ne fait pas les millions de vues, je peux confirmer que nous, les Burkinabés, nous ne sommes pas prêts pour nos artistes. Le Wolof s'impose. Ana Sénégalais, humanistez-vous. Où sont les Sénégalais? Nous sommes fiers de Korkaging. C'est vrai, je la connaissais pas du tout, mais ouais, j'ai compris tout de suite que c'était Wolof, hein, au niveau du langage. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'elle a fait, mais j'ai pas trouvé des sons qu'elle a fait, je crois. En tout cas, j'ai grave apprécié. Ouais, elle a fait un feat avec Awadi. Et en fait, elle a fait pas mal de collabs, mais on dirait qu'elle est pas trop en solo. Ouais, elle est pas trop en solo, on dirait. Korkading, il y a celui-là qui s'appelle Ping Pong, il y a écrit Korkading, ça doit être celui-là. J'aurais écouté, tiens. Mais en tout cas, ouais, elle a fait une belle prestation, Korkading, à souligner absolument. Elle va donner un peu la lumière aussi sur la musique sénégalaise au Burkina Faso. Et en tout cas, ça montre qu'il y a une diversité et qu'ils n'ont pas peur aussi de se mélanger. Et ça fait plaisir, tu vois. C'est pas souvent qu'on entend plusieurs langages, plusieurs langues dans un même son. Et ça, franchement, c'est hyper beau à voir. Donc, ouais, à souligner et à force à Korkadieng aussi, parce qu'elle a fait vraiment une belle touche sur ce morceau, même si c'était pas énorme la presta qu'elle a fait, parce qu'elle n'avait pas eu beaucoup de temps. Mais en tout cas, ce qu'elle a envoyé, c'était impeccable. Même au niveau du visuel, les tenues, ce qu'elle dégage en fait du titre, c'était vraiment impeccable à voir. Et voilà, hein, c'était impeccable, hein. J'étais passé sur TikTok et tombe sur ce son en disant ne parle pas sur tes projets, trop vrai, courage et force à vous frère. Et je viendrai écouter cette chanson à chaque fois que touche mon commentaire. Ok. En fait, il y a tellement de gens là qui veulent qu'on touche leurs commentaires là. Calmez-vous, mettez des vrais comme les rails là. Bon, en tout cas, moi je me suis régalé, c'est vraiment un très bon contenu. Et fidèle au poste, fidèle à lui-même, toujours. Toujours à la hauteur de sa réputation et à son niveau d'artiste, en fait, tout simplement. Voilà, c'est Smarty, ça vient du Burkina Faso, en feat avec le Sénégal, Korkadieng. Ne parle pas, ça s'appelle. Donc voilà, un beau message à voir, à écouter, à voir aussi, parce que visuellement, il y a eu du travail et on peut féliciter le travail de Emmanuel Seouté, parce que c'était impeccable. Donc, Dramatic Company aussi, à vision artistique. Impeccable, c'est Smarty. Chez Charlotte à tous les Burkinabés qui nous suivent. En tout cas, on vous donne la force et on continuera à suivre un peu tout ça. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.